Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à TAC 509, tout haïtien connecté. Maintenant, nous sommes dans la rubrique d'analyse. Analysons les actualités, plus précisément l'actualité sur le plan socio-éducatif. Nous mandons celle d'école pour tout le monde. À bas répression, ville syndicat enseignant, ce sont les pensées des syndicalistes en Haïti. Jodi a, m'a fait nous connaître que élèves d'école yo a vivre une situation qui vraiment compliquée. En dépit de situation économique pays a, parents ont toujours fait un peu d'effort pour payer l'école ti moun yo à temps. Mais même ti moun sa yo vinn trouver yo nan mitan yon brouhaha, nan mitan yon discussion entre professeurs qui a réclamé salaire yo et ministère de l'éducation qui t'a supposé assurer bonne marche éducation au sein de pays a qui rete qui pas fait qu'une intervention. Manifestation à gauche, manifestation à droite, professeur a réclamé l'argent et c'est un bagage qui noble, dès pour travail for yo pay yo. Mais qu'une partie ça yo ni ministère de l'éducation ni professeur syndicaliste ou cap manifester pas prend compte revendication élève l'école yo qui besoin yon bonne éducation. Pays capable loc, pays qui ne doit pas fonctionner, mais la débauche, l'insécurité, la faim a toujours présent. L'école qui a toujours pas fonctionné, mais débauche a toujours là pour tout petit monde qui t'a supposé. L'école a l'en débauche, a l'en programme, a l'en créé qui sont phénomènes qui a fait rage aujourd'hui dans la société haïtienne. Aujourd'hui, aucun professeur ne prend en charge question de éducation qui mal bail dans l'école en Haïti, mais yo plus accentué sur le fait que yo besoin toucher et c'est tout. Yo pas jamais fait qu'une manifestation pour demander ministère de l'éducation nationale pour yo bail une éducation qui noble en Haïti, mais yo plus a fait manifestation boule caoutchouc côté que même gain élèves et respectivement à Saint-Marc et à Jacmel qui victime de brutalité policière. Tout ça c'est parce que il a réclamé morceau d'éducation. Éducation c'est un bagage qui noble. Sans éducation pas de société. Sans éducation pas de famille et même Jean-Fernand Hiberté dit l'éducation est la base de toute société. Sans éducation pas de peuple, pas de nation et surtout pas d'état. Jodi a, moi invite nous analyser dans quelle situation que nous trouvons. Situation lui-même est abjecte, est méprisable et est déplorable. Ti moun yo besoin l'école. Yo besoin utile tête yo demain. Y a réclamé, y a crié yo besoin éducation, mais nous gagnons un ministère de l'éducation qui pas responsable, qui pas prend en compte qu'une revendication que professeur yo a fait qui noble et jodi a c'est ça fait tout élève ça eux-mêmes. Yo trouvé dans la rue, c'est eux même demain qui va être examen. Selon ça que nous apprenons toujours dans le cadre analyse socio-éducative, professeur Mérilien qui c'est un activiste qui en tête en manifestation que syndicaliste eux même y a mené dans Port-au-Prince, les diront ça que l'école pas doit ouvrir tout autant satisfaction eux même, yo pas arrivé à bon point. Tout en revendication eux même, yo pas satisfait, l'école pas ouvrir. Mais encore une fois, moi insister sur le fait que nous yon nous gen les pas jamais penser que majorité moun qui ken des âmes de yoa son problème éducation. Majorité moun qui ralon zam on côté de gen 5 10 15 moun li tire sans pas rendre compte capable gen ti moun là capable gen moun qui vulnérable moun qui âgé, tout ça son problème éducation. Majorité moun de yoa kap voter pour 1000 goud son problème éducation. Et c'est ça que fait Jodian après, yo réduit cadre yo même dans université. Pour un jeune arriver intégrer une université dans faculté d'état, faut qu'on soit. Faut qu'on travaille, faut qu'on rédit, faut qu'on rende sang. Et même encore au fin en dans faculté, a pas gain structure pour leur finir. Ou qu'on fin en dans faculté, peut-être que ou pas qu'on en rien de li pratiquement parce que c'est théorie seulement. Prend théorie qui déjà préparé en France, qui préparé aux États-Unis, yo vinn ba élève yo en Haïti alors que yo même si pratique yo besoin pour capable excellent dans travail à faire. C'est ça fait jodi a problème éducatif là, li pas seulement yon question de PHTK, yon question de opposition, son question de tout haïtien. Même professeur kap vive dans situation qui pi mesurable là, li coupable de mauvaise éducation que ti moun yo a jwenn dans salle de classe. Ça qu'on rive à plusieurs reprises dans lycée yo pou al faire cours, yo plutôt al faire cours chez mon père, chez monsieur le pasteur parce que monsieur le pasteur toujours paye au temps et toujours paye au plus comme. Mais seul ça ou pas connait, ti moun sa yo
qui allait dans le lycée, si vous avez des moyens, vous avez allé dans le privé, vous êtes capable de jouer une éducation plus noble, même j'ai appris petit monde. Les nous agit comme ça, nous agit en égoïste. Et demain, les nous ont Timon Ralonzab, les vidons mon ater, n'a pas dit wow. Timon ça pas gagné raison. Mettez le en prison, battez-le, touillez-le tout, il mérite la mort. Mais nous pas jamais nous compte que c'est dans système éducation ça que nous grandit. Éducation pas montrer Timon comment capable de devenir un leader. Yo juste apprendre Timon pour l'arrêter à monde. Travaille avec patron, passer tout le temps là. C'est ça que éducation en Haïti a eu. Son prison en soi. Malgré tout effort que nous faisons, nous ne sommes pas jamais mais nous faisons appel avec conscience en Haïti. Tout Haïtien, même ça plus haut placé, même ça qui est au plus bas de l'échelle de la pauvreté, nous supposons faire une introspection. Pour nous poser cette question, est-ce que c'est Jovenel ou bien est-ce que c'est nous-mêmes? Mami dit à vendre $30 sur ma chère ou vendre à $40, en quoi est-ce qu'on est plus bon que Jovenel Moïse? Produit avant $15 ou $20 le double prix. En quoi est-ce qu'on peut bon que monde qui a dilapidé des fonds pétro-caribéens? Oui, boulos, yo dit boulos, boule milliards dans le pays. Mais c'est là qu'elle commence. C'est ou même qui a fait 5 gouttes de coûte à la, 10 gouttes de coûte à la, qui a boulos demain, l'on vient dans une place qui est beaucoup plus importante. C'est ça nous supposons penser avec elle. Conscience dans les supposés de mise. Pas de société sans conscience. Et Timounio, c'est avenir pays, a pas un pays sans jeunesse. Donc, nous obligeons un plan de politique durable pour tout petit monde qui est dans le pays. A. Pas oublier que sans conscience, nous ne sommes pas capables de faire rien. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir, mesdames et messieurs. C'est Mark-Henley Eli, votre journaliste, Attaque 509. Restez branchés et suivez le reste de la programmation. Merci.